Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous vous demandez pourquoi j'ai cet ordinateur LRI Stello, c'est qu'on va s'attaquer à un domaine bah, un petit peu inconnu, c'est-à-dire la programmation de ce drone. C'est vraiment ludique et extrêmement simplifié. On peut le faire depuis le PC avec des applications qui s'installent sur Windows sans aucun souci. Le Tello, quand il est sorti, il était aussi destiné à la programmation, à l'initiation, à la programmation pour les enfants au final. Donc là, on va regarder ce que ça peut donner. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Et c'est vraiment, comme je vous dis, très ludique. Et ça peut nous apprendre pas mal de choses hein, en programmation, en approche de la programmation. Et puis ben, on va regarder ça tout de suite. d'abord, on va passer à l'ordinateur. Là, on est sur Windows 10, mais ça marche aussi sur Mac. Peu importe. J'ai fait sur Windows 10 parce que ben, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont sur Windows. Hein, faut vous le dire. Là, il y a trois fichiers en fait, tout simplement. Il y a Scratch. Donc, cette application là, c'est pour créer les petits programmes. Scratch.zip, ça, c'est un fichier compressé qui contient derrière la librairie en fait pour euh, ben, la programmation dans Scratch et Node. Node ça sera pour faire la liaison entre le drone et l'application. Vous allez voir c'est relativement très simple, vraiment je vous assure. Alors bien sûr ces trois petits fichiers là, je vous les mets sur un Pcloud et je vous mets le lien dans la description juste en bas, là-bas en bas. Hein, bien sûr, vous avez juste à les télécharger, à installer Node euh, Scratch.zip à le mettez-les bien dans un dossier bien particulier, le Scratch.zip. Hein. Mettez les, les fichiers qui sont dans Scratch.zip dans un document simple à retrouver. Vous allez voir pourquoi. Et Scratch, vous allez l'installer, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment super simple. J'ai pris cette version-là parce que c'est cette version-là qui va fonctionner pour pouvoir programmer avec le télé. Comme vous avez vu, là, Scratch est déjà installé. C'est vraiment, je vous assure, c'est le plus simple possible, hein. clairement. Alors, on va aller sur Fichier. Mais avant d'aller sur Fichier, il faut appuyer sur la touche Shift ou majuscule, hein, pas le caps lock, mais bien le majuscule. Vous allez maintenir enfoncé et appuyer sur Fichier. Et là, vous allez faire importer d'extension expérimentale HTTP. Désolé, c'est mal traduit. Bien sûr, on peut le mettre en français. Hein. Au début, c'est en anglais, donc on peut le mettre en français. Voilà, j'importe la bibliothèque qu'il faut, hein, bien sûr. On va dire que c'est une bibliothèque hors ligne, hein, comme ils appellent ça. Donc en fait, c'est un fichier qui est en extension .s2e, c'est le telo.s2e. Vous allez faire ouvrir, et là, donc vous voyez que vous avez tous les contrôles. Take-off, c'est en anglais, mais je vous assure, c'est relativement simple. Take-off décoller. land, c'est atterrir, monter de 20, descendre de 20, aller à gauche, droite, forward à l'avant, fly back à l'arrière rotate clockwise clockwise c'est dans les sens des aiguilles d'une montre et rotate ccw with angle 90 degrés donc c'est tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et là donc c'est de 90 degrés on va voir qu'on n'a pas besoin de toutes les instructions on pourra faire des trucs sympas rapides faciles donc nous on aura besoin de se ajouter bloc avec le télécontrôle de événement et de contrôle aussi pour pouvoir faire des boucles, des attentes, enfin voilà, pas mal de petites choses. Je vais retourner dans Ajouter bloc. Et là, je vais aller sur Node. Donc c'est le node.js command prompt. Donc là, il nous met le c user nko. Voilà, c'est mon dossier de départ. Je vous assure, c'est vraiment très simple. Il n'y a rien de compliqué. On va faire cd document. Donc c'est à dire que on va aller dans le dossier document et on va faire cd euh, alors, cd des documents, c'est Scratch. Et là, on va faire la dernière chose à faire, ça va être Node. On va faire Node Tello.js. Et c'est parti. On crée la connexion avec le RISE Tello. Et dans Scratch, maintenant, on voit que ici le petit bouton, il est bien vert. Après, bien sûr, il faut se connecter au Tello. En fait, vous allez vous connecter au TELO comme vous vous connectez avec votre téléphone. En fait, Je l'ai allumé. Alors, ça ne se verra pas. Hein, désolé, sur la vidéo, ça ne se verra pas. Mais vous savez comment on fait. Simplement, on va chercher le réseau Wi-Fi. On voit le TELO qui sera là. Et on va s'y connecter. Il va bien sûr demander le code si vous avez mis un code. Bien sûr, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, que vous pouvez le retrouver en tout cas. Et c'est vraiment juste ça. Et cette fois-ci, donc, donc le TELO est en lien avec donc, Node qui fait le lien avec Scratch. C'est tout. C'est vraiment ça. Je sais que c'est un peu long euh, l'explication, mais je vous assure qu'après ça, voilà, c'est vraiment très très simple. Bien sûr, il va vous dire que vous n'avez pas d'Internet. C'est logique. Hein? Le, le drone n'a pas accès à Internet. Alors, je vais aller ouvrir un petit programme que j'ai déjà fait. Hein? Il est ici. Donc là, je l'ouvre. J'ai déjà fait deux trois petites choses. Alors, les choses à faire en premier, en fait, c'est ici, c'est les deux petits trucs ici. Donc là, c'est quand flèche haut est pressé, on va lui demander de décoller, et quand flèche bas est pressé, on va lui demander d'atterrir. C'est hyper important de le faire, je vous assure. Bah, pour quelles raisons Parce que il faut garder euh, le contrôle sur son drone. Euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une boucle, là-dedans, en fait. Et c'est pour ça que je préfère Mettre ses sécurités, c'est vraiment très 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 recommandé. Donc là en fait on est en lien avec le télo Donc comme je vous ai dit là, donc les, les événements là c'est quand c'est ici, c'est quand machin est cliqué. Donc on peut choisir n'importe quoi hein, comme vous pouvez. Wow comme vous pouvez voir. <laughs> donc là ben voilà, je vais donner l'ordre de le faire le nécessaire en fait. On va lui demander d'atterrir. Voilà, bon je l'ai fait atterrir dans ma main parce que là sur la table il était un peu à côté. Donc vous avez vu comment c'est super super simple au final. Et voilà, vraiment je vous assure, il y a uniquement ça à savoir. On va essayer bien sûr en extérieur voir comment ça fonctionne parce que j'ai fait ben, deux autres programmes euh, avec mon désattente. Je vais vous expliquer tout ça quand il le fera en tout cas, vous allez voir. Alors, je suis dehors malgré la pluie. Vous voyez peut-être pas une chose importante à ne pas oublier c'est la carte mémoire de sa caméra ce que je viens d'oublier je viens de taper un petit aller-retour à la maison donc je suis, voilà, je suis un petit peu essoufflé ouais, ça va aller en tout cas donc voilà la deuxième partie je suis dehors parce que je préfère pour faire les petits programmes euh, dans le sens où le, le drone il va se déplacer un petit peu dans l'espace euh, donc je préfère être là que chez moi dans le bureau il n'y a pas il n'y aurait pas assez de place en tout cas pour bah, faire les programmations que j'ai faites. Le télo n'est pas encore allumé. Ce n'est pas bien grave, tout ça, de toute façon. Alors, vous voyez sur mon écran. Alors, un instant. On repart sur Scratch. Du coup, il y a mes petits programmes qui sont là. Donc, le premier, c'est quand la touche espace est appuyée. Donc, il va décoller. Il va attendre 5 secondes. Il va faire un 180 degrés d'un côté, un 180 degrés dans le sens euh, anti-horaire. Et puis il va atterrir, tout simplement. Ça, c'était vraiment le tout, tout, premier test que j'ai fait. Vous me direz, pourquoi attendre 5 secondes Alors c'est pour une raison très simple, parce qu'on ne peut pas donner deux ordres consécutifs au Tello en mode programmation. Donc voilà, si on lui donne deux ordres, il ne va pas savoir vraiment lequel exécuter en premier. C'est logique, hein, c'est de la programmation. Donc on a une petite temporisation de 5 secondes qu'on trouve ici dans les contrôles attendre là c'est une seconde par défaut mais attendre X secondes donc là c'est 5 secondes pour ce petit programme euh, tout simple donc on va voir ce que ça va donner et après on va faire le deuxième donc là c'est j'ai demandé que quand la touche A est pressée le drone va décoller on va attendre 10 secondes donc cette fois-ci j'attends 10 secondes avant de lui demander donc de, de décoller encore de, de 30 unités hein c'est ou 30 cm en tout cas je sais pas exactement j'ai pas mesuré je lui ai demandé d'attendre 5 secondes d'avancer en avant de 50 cm sûrement attendre 5 secondes de se retourner faire à 180 degrés de repartir dans l'autre côté de l'autre côté toujours de 50 d'attendre 5 secondes et d'atterrir on va voir si tout ça ça s'exécute facilement et après bien sûr j'ai la maîtrise du drone parce que je peux lui demander d'atterrir de, à n'importe quel moment. C'est pas bien grave. Voilà, on va voir ça tout de suite. Une chose en passant, euh, on ne peut pas déclencher l'enregistrement. Là, clairement, on ne peut pas le faire, malheureusement. Donc, bah, euh, voilà. c'est juste de la programmation pure et dure. Là, c'est vraiment ça, de l'initiation à la programmation. Mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Alors, dans quel sens Dans le sens où ce qu'on arrive à faire sur programmer sur un ordinateur, ça fonctionne réellement. En fait, la première fois quand on le fait décoller, quand on appuie sur la touche haut, Bien sûr, c'est assez impressionnant. On se dit, ouais, on arrive quand même à faire communiquer avec le drone. Et ça, c'est quand même vachement, vachement cool. Et voilà, c'est pour dire que ce n'est pas non plus un système fermé. Après, les gars qui pourront euh, coder plus iront beaucoup plus loin. Mais là, déjà, c'est vachement, vachement sympa euh, de pouvoir faire ce genre de choses. Premier programme, c'est parti. Donc là, il tourne de 180. Il fait un demi-tour. Il tourne dans l'autre sens et on atterrit. Voilà, comme c'est vraiment d'une précision impressionnante. Moi, je trouve en tout cas pour le télo. parce qu'on atterrit quasiment au même endroit. On, il a que les capteurs en dessous hein, pour information. Donc là, on va faire le deuxième programme qui ben, c'est pressé A. Je vais presser là tout de suite. Là, on attend 10 secondes hein. on s'élève encore voilà un petit peu on avance on s'arrête on fait un 180 donc là il va pas pouvoir atterrir sur la cible hein, clairement je le vois déjà hein. mais c'est pas bien grave Voilà, ce qui est sympa en tout cas avec le télé, comme vous avez pu voir, j'ai juste appuyé sur une touche et ça, ça marche tout seul. Donc, toutes les instructions que je lui dis, ça fonctionne. Voilà, moi, euh, je vais moi aussi, ben, je vais vous mettre aussi sur le, le P-Cloud ce programme-là, euh, clairement, comme ça, vous pourrez voir comment c'est construit. C'est super simple. Puis vous amusez à vous faire des circuits à droite à gauche chez vous, <laughs> si vous voulez vous, vous amuser, ou même dehors, parce que là, on est dehors et puis ben, il pleut un petit peu, mais ça craint vraiment rien du tout en tout cas. Voilà. Le Telo est un, vraiment un drone ludique. Euh, C'est le premier drone pour apprendre à, à piloter, euh, pour avoir le goût de piloter en tout cas, pour pouvoir commencer à créer des belles vidéos et puis bien sûr aussi à faire des choses comme ça. Du coup, à commencer à programmer des petites choses. Et les possibilités sont bah, énormes en fait au final parce qu'on a d'autres aussi euh, instructions qu'on peut intégrer comme le son par exemple. Euh, après, j'ai pas testé plus que ça. Là. Je compte sur vous pour, euh, pour ça. Je compte sur votre créativité pour créer des super programmes et puis les mettre en ligne. Et puis bien sûr, bah, me les mettre en commentaire, me les envoyer pour voir un peu ce que vous vous faites avec votre télo aussi. Ça pourrait être super sympa, mais pourquoi pas euh, bah, lancer euh, un petit concours de, de code pour faire des trucs super complexes et puis super sympa avec votre télo. Voilà. La Première partie, c'est un peu laborieux, je suis, je suis désolé, mais il faut bien passer par là pour commencer à pouvoir euh, donc programmer le télo. La deuxième partie est beaucoup beaucoup plus sympa. Voilà, on la première partie, on l'a fait qu'une fois et c'est comme ça. Donc, en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est Najib pour la chaîne NKO. Je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine, peace.